Bonjour à tous. Cette semaine, on continue de partager votre quotidien pendant cette période de confinement. Et aujourd'hui, on a voulu vous partager le quotidien de la SBL Lilo. Ils luttent tous les jours contre le sans-abrisme à Bruxelles. Et évidemment, les mesures prises contre le coronavirus ont impacté leur action. Ils ont voulu partager cette vidéo avec nous. Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis le directeur du centre de jour de Lilo, qui est un centre de jour ouvert 7 jours sur 7. Comme je le dis souvent, et qui accueille des sans-abri, voilà, parce que c'est ce qu'on fait à Lilo. Et comme vous pouvez le constater, on est en plein confinement, donc sur le parvis ici, il y a quelques usagers confinés à l'extérieur, bien sûr, parce que dans notre centre, on a fermé l'accès, malheureusement, à nos usagers. Donc nous sommes dans un... Vous voyez maintenant ici l'endroit, le centre de jour, qui... À cette heure-ci, maintenant, il est 3h15, et en général, rempli d'usagers, et on ne peut plus les recevoir à l'intérieur. On se contente de leur donner à manger le matin, on fait un petit déjeuner, et un repas à midi, en deux services, et il y a une longue file de personnes, là, dehors, qui attendent leur repas, un peu comme si on était rationnés pendant la guerre, et voilà. Suite au prochain numéro. Pour être solidaires, certains n'hésitent pas à consacrer leur journée de confinement ainsi que leur talent, notamment pour créer des masques pour le personnel soignant à Bruxelles. C'est le cas de Lily Verhagen, elle s'est lancée dans cette aventure avec Maxime et Florent. On continue en musique, cette fois avec cette chirurgienne qui a voulu dédier cette chanson au coronavirus. Je vous laisse écouter. J'étais censée boire des Bombardino à un congrès d'ortho. Au lieu de ça, bravo, on a tant planqué ton pic, c'est le petit Covid. Putain de femme cool. Et moi je te connais. Mais ton nom de scène, Corona, t'es pas sérieux. Petit psychopathe sans gêne, tu t'attaques aux vieux. Ok, t'as piqué le papier chiotte, mais touche pas à mes potes. Avec ton nom de bière de fiotte, quel que soit le temps que ça prenne, on va te mettre hors jeu. Car sans toi, on était mieux. Si vous aussi, vous voulez partager votre quotidien de confinement avec nous, eh bien envoyez-nous vos vidéos à l'adresse web @bx1.be. Prenez soin de vous, restez chez vous.